Et chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Homecy 2. Donc on va faire comme convenu le retour de cette ligne 58. Alors, petit changement par rapport à la dernière fois, c'est que en fait, on était en fin de service. Et donc il n'y avait plus de bus après, donc on n'avait plus de service à faire. Donc j'ai changé l'heure et on va faire quand même ce retour. Donc on part de Stotsnia, Sentsekniska, voilà, et on va jusqu'à Goklo. C'est pas facile à dire, hein. On est sur la map évidemment Project Cessin. Et puis on fait le retour de cette ligne 58. Alors, on part à quelle heure? On part dans 7 minutes. Pas des problèmes de texture. On part à 8h08 de Sotsnia Sentsekniska, voilà. Et on arrive à 8h46. Alors on va essayer de respecter un petit peu le temps hein, dans cette vidéo. J'espère juste que l'Ibis va nous donner le retard correctement, pas comme dans l'épisode précédent, où il donnait juste du retard qui augmentait au fur et à mesure, parce qu'il y avait un bug et je n'ai pas encore trouvé l'origine de ce bug. Alors, je vais déjà fermer les portes arrière parce qu'il n'y a personne qui descend, puisqu'il n'y a personne dans le bus. Et comme on part donc à 8h08, je vais avancer légèrement le temps à 8h07. Voilà. Comme ça, on part dans une minute. Peut-être que ça va faire venir des gens, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde hein, ce matin. C'est peut-être pas le bus le plus convoité de la ligne, du réseau. Alors, comme la première fois, je suis sur le Mercedes O530G, le Citaro, articulé avec la livrée de Hall. Parce que oui, il n'y a pas de livrée sur cette map. Ou alors, je ne les ai pas trouvées. Voilà. Ou alors, peut-être pas pour ce bus, tiens. Mais bon, bref, il n'y en a pas pour ce bus-là. Du coup, j'en prends des qui changent à chaque fois. C'est joli, hein, ça permet de voir. La dernière fois, on était en vert et blanc. Et là, on est en rouge et noir. Rouge et blanc, pardon. Rouge et blanc. Ah, j'ai entendu quelqu'un monter. Ah non, c'était une... une hallucination auditive. Bref, ça va être l'heure de partir. On va fermer la porte. Ah oui, la ligne est déjà configurée. Ça l'a mis automatiquement en fait quand on est arrivé tout à l'heure. Parce qu'on était. C'est une ligne qui est bouclée. Hein. Et du coup, quand on arrive, on repart directement. Alors, effectivement, on a un peu de retard. Mais c'est pas grave pour l'instant. J'espère juste que. Non, j'ai l'impression qu'il compte pas le retard correctement. Ah si, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, on n'a pas le même problème que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on avait un problème. Enfin, tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure parce que j'ai enregistré l'épisode juste à la suite. Mais en vrai, c'était dans l'épisode précédent. Alors, Gloco, c'est par là. Voilà. Alors, je vais essayer de conduire un petit peu mieux aussi que l'épisode précédent. Parce qu'on a fait quand même... des jolis accidents. Następny przystanek. Emily Plater. Emily Plater. Ouais, j'ai fait quelques accidents qui étaient jolis. On s'est fait foncer dedans par une voiture. Et j'ai pris trop large. Oula. En tournant. Mais à part ça, tout va bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bonjour. C'est parce que dans ce bus, ils valident pas. Ils ont pas de titre de transport, rien. C'est transport gratuit. Les transports MAST sont gratuits, on a l'impression, hein. C'est pas grave. Allez, on est parti, je vais essayer de pas prendre trop d'avance, même si j'ai du retard en fait. On va essayer quand même de conduire correctement, quitte à arriver un petit peu en retard. C'est pas grave. Elle est garée. Ah oui, mince, il y a des parkings le long de la route. J'ai failli prendre la voiture. Pas pratique en bus, les gens garés le long de la route, ça fait se déporter sur la voie de gauche. Heureusement, il n'y avait personne. Allez, on arrive à un arrêt. Avant, le feu est rouge. Ah, le feu n'est plus rouge. Voilà.
Bonjour, bienvenue à bord. Oups. Bonjour, bonjour, bonjour. Il n'y a personne qui dit bonjour. Hein. Des fois, ils te disent bonjour, ben pas là. Allez, hop, c'est parti. Alors oui, c'est le retour. Et du coup, oui, je vous ai pas dit, j'ai choisi le matin. Voilà, donc la date, c'est en janvier. Hein, et donc, il est 8h10 du matin. Pour ça que on voit que le jour se lève. Et moi, j'aime bien quand on voit le jour qui se lève ou qui se couche. Je trouve ça joli dans le ciel, voilà, avec le soleil, etc. D'ailleurs, vous avez vu la miniature de la série d'Homme 6, c'est un bus avec le soleil qui se couche. Voilà, on va essayer de tourner correctement. Oh! Ah, priorité à droite. Oui, je sais, bah excusez-moi, hein, mais... On m'a grillé la priorité à droite. Des fois, je trouve que dans Home City, les voitures sont un peu trop confiantes. C'est-à-dire qu'elles y vont à fond. Bonjour. Salut. Allô. Salut, collègue. Maintenant, je fais des feux pour éviter de faire du bruit et déranger les riverains. En fait, ah oui, aussi, autre question pour ceux qui s'y connaîtraient en Home City. Est-ce qu'il y a une sirène écologique sur les Citaro? Et si oui, quelle est la touche? C'est sur quelle touche? Parce que je trouve que klaxon est joli, mais un peu agressif. Et voilà. Et donc, j'aimerais bien le tour des bus, les petites sirènes écologiques. Voilà, alors, comme à mon habitude, je suis en avance. Mais bon, là, on est sur une grande route, alors je vais foncer un peu, et puis on va attendre tranquillement au prochain arrêt. Voilà. Bonjour, monsieur. Ding dong, j'adore le son. Victa Viaduct. Ding dong. C'est marrant. Et le bruit, moi j'aime bien le bruit quand il s'arrête. C'est un joli bruit. Les bus font ça en vrai. Hein. La 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 la. Bonjour. Ouais, je dépasse pas, tout va bien. Mais je suis en avance. Victoria Duct, 8h14. Et là, il est 8h12. Donc on va attendre un petit peu. Sur cet arrêt. En attendant, tiens, je vais vous poser une petite question à propos de la team Micropic. C'est parce que, bon, si on en a pour un beau moment, parce que vu le nombre de maps et le nombre de bus que on va pouvoir tester, je pense que cette série a une assez longue durée de vie. Mais je termine la série sur Human Resource Machine. Et du coup, il va falloir que je trouve un autre jeu qui va faire en let's play simplement, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous tenterait parce que j'ai songé à une carrière suivie sur Euro Truck Simulator. Ça peut être pas mal. Et j'ai aussi un autre jeu. Après, je l'ai pas trouvé non plus génial. J'ai City Economy qui est sorti au mois de décembre. Et c'est un jeu où on gère sa ville, mais je l'ai pas trouvé excitant. Voilà. Je trouve qu'on fait tout le temps un peu la même chose. Pourquoi? J'ai pas fermé la porte. Ah, il devait skyer. Allez, c'est parti. Il devait un peu skyer. Ouais, je l'ai pas trouvé super excitant. On faisait un peu tout le temps la même chose, voilà. Bah, dites-moi ce que vous préférez. Ou alors, bah, choisirez tout seul, hein. Ou alors, peut-être que vous préférez découvrir un autre jeu que vous ne connaissez pas. Mais dans ce cas-là, je sais pas trop quoi faire. Après, j'ai quelques jeux, mais ils ont pas l'air d'avoir...
la tête à faire une série dessus. Je pense que je ferai des vidéos découvertes dessus. Voilà, pour avoir un petit aperçu de ce jeu. Mais je pense pas que j'en ferai des let's play. Les jeux... Ah si, je sais ce qu'on pourrait faire aussi. On pourrait taper dans du jeu rétro et faire une série sur Theme Hospital. Ça peut être sympa, ça. Oups, je vous parle et je prends les trottoirs. Après, mamie, elle va dire « Oi, oi !» Là, si je me rappelle bien de ce qu'on avait fait à l'aller, il faut aller tout droit. Todo directo. 58, tout à fait. Ding dong. Następny przystanek. Komuny Paryskiej. Voilà, Komunik Paryskiej. Ouh, il y a du monde. Ouh là là, il y a du monde. Et c'est tout pour moi? Bonjour. Hop, ouh là là. Excusez-moi si vous avez vomi. Je me suis trompé dans les touches. Allô, bonjour. Ouh là, ouais, il y a du monde. Allô. Bonjour, bonsoir. Non, c'est pas bonsoir puisque c'est 8h du matin, voyons. Et j'ai encore oublié de fermer la porte. Merci de me laisser passer. Je rappelle quand même à toutes fins utiles. Ouais. Elle est allée se garer là avec les warnings. Très bien. Dans l'arbre. Ah ouais, c'est pris un arbre. Rigolo. Oui, je disais, je rappelle tout de même à toutes fins utiles que le bus est prioritaire quand il sort de son arrêt. Hein. En ville, tout du moins. En agglomération, pour être précis, pour suivre le code de la route. Hein, s'il y en a qui passent leur code ou leur permis, hein, sachez que le bus est prioritaire quand il sort de son arrêt. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai un peu forcé le passage aussi, hein. Voyons. Jana z Czarnolaso. Il y a des gens qui veulent descendre. Le feu rouge. Oui, je suis parti de l'accident. Apparemment, j'ai fait un accident. J'ai grillé aussi un feu rouge. Je l'ai pas vu, ce feu rouge. Je l'ai pas vu. Bon, on va quand même pas passer sur le trottoir. Je l'ai pas vu, ce feu rouge. Sincèrement, hein, je l'ai vu au dernier moment. Hein. Oh là 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 là. Heureusement, je conduis pas en vrai des bus. Hein, parce que ça serait quand même la catastrophe. Allez, celui-là, il est vert et il est bien vert. Pour l'instant, tout du moins, voilà. Et il passe au rouge. Mais là, je l'ai vu. L'autre, pas vu, hein. Juste au dernier moment, je l'ai vu. Je fais, c'est quoi ce point rouge? C'est passé le feu. Ok. Allez, j'ai mis le frein de parc pour éviter d'avoir le pied sur le frein en attendant que le feu passe au vert. Il va pas tarder, visiblement. Allez, les piétons sont rouges, je crois qu'on peut pas y aller, nous. Allez, on y va. Oula, il y a un gros camion. Il faut que je change de fil. Hop. Et il fallait que je me rabatte. Il y avait un gros camion. Et normalement... c'est par où? C'est tout droit, j'imagine, vu que... Pas d'indication. Tout droit. Comme au permis, quand on dit rien, c'est tout droit. Allez, voyons un petit arrêt. Hoja. Hoja alors. Pardon. Excusez-moi. Le feu est rouge. Hop. Le frein de parc. Oh, un collègue.
Il est en rouge aussi, lui. Ah oui, il y a un bus rouge. Tant mieux. Hop, il faut enlever le frein de parc. J'ai bien aimé la livrée. Oh, trottoir. C'est pas vrai. Coco, ça va? Allô. Allô, bonjour. Il y a personne. On peut y aller, on peut descendre du trottoir. Oh punaise. C'est pas vrai. En fait, je sais pas conduire, mais j'aime bien les jeux de conduite, c'est énorme. Je conduis comme un pied, mais ça me plaît. Je conduis quoi de comme un pied, ça me plaît bien. Bah voilà. Est-ce que vous avez proposé un truc sur ETS2 c'est pareil, hein, je conduis comme un pied pareil. Hein. Donc vous l'avez vu, si vous suivez un peu les lives sur farming. Ah bah y'a personne. Ah bah on y va, hein, on y repart. Hein. J'arrive pas à garer un tracteur, alors bon. Mais ça me plaît. J'aime bien conduire des bus, même si je sais pas faire. Je conduis comme un pied, ça me plaît bien. Voilà. Allez, on est en retard d'un petit peu. Un petit peu en retard, c'est pas énorme. On va vite faire rattraper ça. Quelle heure? Il est 8h20, il fait encore nuit. Apparemment, il y a un virage. Ouais, pas si pire. Le ciel est joli. C'est bizarre qu'à 8h20, il fasse encore nuit. Même au mois de janvier, comment il fait jour à 8h20. Non. Bogominska na żądanie. Bogominska na żądanie. Voilà. Ah oui, je suis particulier. Pour que les gens puissent descendre, il faut quand même qu'il y ait un peu de quai. Personne ne veut monter. Et ben tant pis pour vous. Vous ne profiterez pas de ma superbe conduite fluide et confortable. Vous aurez mon collègue qui conduit comme un pied, qui se prend des trottoirs, qui fait des accidents quand il tourne. Non, voilà, bah tant pis pour vous, hein. Tant pis pour vous. Oh, en parlant de collègues. Hop. Salut. Allez, il y a quelqu'un qui voudra descendre au prochain arrêt. Je sais pas où il est. Oh, c'est limité à 40. Par où allons-nous? C'est par où, les amis? 58, c'est tout droit. C'est quoi ce carrefour, là? Il n'a pas pu faire un truc plus praticable, non? Bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tiens, ça serait cool qu'on se fasse une petite livrée pour la team Micropic. Pour Homsi, vous n'en pensez pas que c'est une bonne idée? Vous ne pensez pas que ça peut être une bonne idée? Non? Bon, d'accord. J'ai un joli bus blanc et orange. Alors les amis, si vous me laissiez passer, ça m'arrangerait. Je suis encore trompé de côté pour la vue. Ça pourrait être cool, faire un bus micropic. Comme ça, on aurait notre livrée à chaque fois. Et il n'y aurait pas besoin de chercher la livrée de la map. Hein. Tiens, je vais y réfléchir. Prochaine arrêt, quelqu'un voudra descendre. Alors, je lui fais le petit ding-dong. Neringa Pomnik. Neringa Pomnik. Eh ben, Neringa Pomnik, prochain arrêt, Neringa Pomnik. Allez, hop. Donc là, on est un peu dans un quartier résidentiel, c'est mignon. Et je trouve que généralement, les maps sur Homsi, même si les graphismes, sont pas non plus géniaux. Hein. On voit sur les arbres que c'est pas... voilà, le moteur graphique est pas non plus très poussé. Mais il n'empêche que, globalement...
Les environnements sont bien faits. Ils sont jolis, ils sont... Voilà. C'est pas dessiné en HD, mais... au final, le rendu est pas si mal. Bon, vous dépêchez, vous, là, nom de Dieu. Ouais, ça rend bien. Ouais, de loin, hein. Il faut pas aller regarder de près non plus, mais on n'est pas dans un jeu où on regarde ces choses-là de près non plus. Hein. C'est dans un jeu de simulation, on est là pour conduire un bus. Et je trouve que là, par contre, sur cet aspect-là, la conduite du bus a l'air franchement réelle. J'ai jamais conduit un bus, donc je peux pas non plus comparer. Mais ça a l'air quand même vachement réel, quoi, avec l'encombrement, le poids, comment c'est dur de le démarrer, la façon dont ça tourne, moi, ça me, j'ai l'impression d'être dans un bus, hein, donc c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et quand même, moi, j'aime bien voyager hein, dans ces environnements, ça est, c'est sympa. Ah, c'est pas du grand art, mais c'est sympa, on se croirait... pas dans le monde réel, mais pas loin. Franchement, on se croirait pas loin du monde réel. Puis les bruits ressemblent quand même pas trop mal aux vrais bruits. Après, c'est pas les bus que j'utilise dans la vraie vie. Donc, je peux pas vous dire, mais ça ressemble, voilà. En tant qu'usager des transports en commun, je trouve que ça se ressemble. Ça ressemble. Allô, bonjour. Tout le monde est descendu, ça a l'air. Il y a quand même du monde hein, dans le bus. J'en profite, j'ai un petit peu d'avance. Pardon. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe? Oui, il y a quelqu'un. Et on y va juste après. Hop. Ah, alors là, excusez-moi, mais elle a quand même foncé dans le bus. Hein. Parce que je la voyais pas dans mon rétro et elle est arrivée à fond. Alors là, c'est quand même un peu de sa faute. J'étais engagé. Hein. J'étais quand même un peu engagé. Allez. Oui, voilà. Je sais toujours pas comment on fait quand il y a un accident. Hein. Pour pas qu'ils nous disent qu'on est un criminel et qu'on aura des sanctions. Sanctions qu'on n'a jamais d'ailleurs. Au passage. Parce qu'ils pourraient nous entraîner sur quoi. On n'a pas de sous dans le jeu. On a... Bonjour. On n'a pas de sous, on n'a pas de points, on n'a pas de notation du conducteur. Si, il y a la fiche du conducteur, je crois, mais... c'est pas non plus... Ouais, maintenant je suis engagé. Hein. C'est bon, ils vont pas me foncer dedans. Hein. Non, Mehdi. Et là, du coup, par rapport à l'autre épisode, on venait sûr d'être à peu près à l'heure. Parce que la dernière fois, c'était quand même un peu... Ah oui, c'est là qu'on a vu le superbe accident. Que j'ai fini dans le chemin d'en face et que la voiture, elle m'est rentrée dans le flanc. C'était plutôt rigolo. Oh. Ah, on va dans les choux. On va dans les choux parce que j'ai appuyé sur la touche et en fait ça n'a pas pris en compte. J'ai pas dû appuyer assez fort. C'est pas grave. Fabrika Domov. J'adore comment elle parle. C'est juste là en fait. Et oui, il y a encore des arbres sur la route. Et on a une minute d'avance parce que dans la ligne droite j'ai foncé comme un porc. C'est pas trop grave. Hop. On va fermer là. On va fermer derrière. Du coup je vais prendre mon temps. Je vais éviter l'arbre. Donc à faire on va jouer un peu correctement. Il n'y a personne. Du coup je double l'arbre. Il y a plein de gens qui marchent. Et voilà, vous avez aussi un problème de Homesies avec les personnages, ils vont au bout du trottoir, après ils font demi-tour. Voilà. Alors, il y en aura bientôt.
J'arrive pas, hein. Hop. Ouais, ben là, c'était impossible de le passer. Il prenait toute la route, l'arbre. Il y a un monsieur. Bonjour, monsieur en bleu. Il y a un collègue. Bonjour. Non, d'accord. Pas de bonjour. Alors, je vous propose qu'on attende un petit temps là, hein, juste un tout petit peu, le temps que le temps passe. Attention, super phrase. Le temps que le temps passe. Voilà. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite photo. Non, il y a pas. Ça peut pas être. Non, c'est pas très joli. Là, il y a des arbres. Les arbres sont encore trop sombres. Hein. Pour faire une jolie photo, il faut attendre qu'il soit un peu éclairé, parce que là, ça fait un peu arbre mort. Ouais, arbre mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait à l'heure et qui voudrait monter? Non. Alors, bah, on va y aller. Hein. On est un tout petit peu en avance, mais c'est pas dramatique. Hein. Puisqu'on a 6 secondes. Hein. Alors on va y aller tranquillou. Donc ça, c'est des services qui sont interurbains. Et dans ces services-là, franchement, on prend facilement de l'avance. Parce qu'il n'y a pas énormément de bouchons. Il n'y a pas... Il n'y a personne. Alors on va tourner. Il n'y a pas énormément de bouchons. Il n'y a pas... Voilà. En ville, il peut y avoir des gros bouchons. On est en retard après. Les services, les horaires sont plus serrés là. On est large, je pense, sur ces lignes-là. Hein. On est large. On est large. Ah, d'accord. Je crois qu'il s'en allait. Eh ben, montez, allô. Messieurs, dames. Allô, bonjour. Je pensais que vous ne vouliez pas venir. Il faut qu'on tourne par là-bas. Ah oui, je me rappelle aussi, là. Dans l'autre sens, évidemment. C'est un radio camion, par contre les bus passent. D'accord. C'est un petit peu plus léger. Hein. Il n'y a personne. Et des fois sur aussi les personnages arrivent au dernier moment aussi. Oulala, attention, il y a une porte. Alors je mets un peu de frein. Pour freiner dans la pente. Voilà. Et ensuite, où allons-nous? Où allons-nous? Tout droit. Il faut toujours aller tout droit. Allons-y. Tout droit, tout droit, tout droit. Ah, il y a un arrêt. Un arrêt qui surgit. Un arrêt sauvage apparaît. Alors, pour faire plus réaliste, je vais te faire le parc. Allô. Allô, oh, bonjour. Est-ce que tout le monde est descendu? Oui. Tout le monde est descendu. On est un tout petit poil en avance. Alors, je propose qu'on descende la pente sans le frein de parc. Tout doucement, voilà. On va se laisser prendre de la vitesse, ça marche bien. On fait des économies. Là, j'ai juste appuyé une fois. Là, je touche plus à rien, j'accélère pas, là. Là, j'ai juste accéléré un tout petit peu pour décoller. Et dis donc, ça descend bien. Punaise. C'est parti. C'est parti. Ah ouais, j'arrive pas à rattraper mon avance là, je vais à 20 et je prends toujours de l'avance. C'est pas vrai. Bon, j'y vais tout doucement. Następny przystanek Kościelna. Kościelna. Ah, c'est un stop.
je vais marquer stop, mettre le... Ah, ah, j'ai pas la vue. Je suis obligé de faire comme ça pour avoir le changement de vue. Ok, c'est pas grave. Ah, c'est pas là ? Il y a un abribus. Ah non, c'est plus loin. Ah d'accord. On va mettre le frein. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait neutre. J'ai mis le neutre. Est-ce que je peux ? Oui, ça a l'air d'être tout bon. Toujours le moteur. Bon, bah on va pas rester non plus trois plombs au milieu de la route, hein, tant pis. Hein. J'enlève le frein. Oups, j'ai pas fermé les portes. Punaise. Allez, on va y aller tout tranquillou. Hein. On va essayer de rattraper, enfin de manger un petit peu cette avance là. Moins 5, hein, toujours, décidément. Je pensais être presque à l'avoir rattrapé et non. Parce qu'en fait, ça marche un peu par zone. Et du coup, bah voilà. J'ai changé de zone et j'étais encore trop en avance. Bah, il faudra accélérer un peu quand même pour monter là. Après, c'est pas dramatique. Hein. On a 30 secondes. On a 30 secondes d'avance, c'est pas non plus dramatique. Hein. Même si, hein, sur des horaires, si t'as un bus toutes les 4 minutes, 30 secondes, 1 minute, c'est pas dramatique, mais ça fait un quart de l'espacement. Ah mince, il est pas là l'arrêt. Następny przystanek, nad Odrą. Nad Odrą. Ah non, il est après. Il était plus près que ça, le... l'arrêt. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde est descendu ? Oui, j'ai l'impression. Pas besoin de regarder, je suis déjà sur la route. Est-ce qu'on va voir passer un train ? J'aimerais bien voir passer un train, ça peut être cool ça. D'avoir un train qui passe. Là tu vas voir, voilà, on a changé de zone et du coup... Là je voulais savoir aussi s'il y avait un régulateur de vitesse dans Moussy, mais je pense pas que ça existe sur les bus. Des régulateurs de vitesse. Ça me dit rien moi, des bus avec des régulateurs de vitesse. On va tout doucement. On va tout doucement. Mais j'aimerais bien là avoir un truc qui soit graduel. Parce que là, j'ai pas de... Tiens, mon téléphone va faire du bruit, alors je dis de l'être en silence. Bon, bref, c'est pas grave. J'aimerais bien avoir le... Pouvoir y aller doucement comme ça. Oh, il y a un train. Un train qui l'a arrêté. Ah non, il avance. Bon allez, hein, on va arrêter. Ah si, il y en a plusieurs là. On va être arrêté, non ? Bref, oui, donc je disais avoir un truc graduel pour pouvoir gérer mon accélération. Elles sont un peu plus graduelles. Ça permettrait de gérer mieux, parce que là c'est soit j'accélère pas. Alors là, il va falloir tourner, voilà. On passe sur les voies de train. Je vais y aller doucement, voilà. Après on va pas non plus... hein, on va y aller un peu parce que sinon on n'est pas couché là. Sinon on n'est pas couché. C'est pénible. Ah bah. On est arrivé. Hein ? Gotsoif ? Comment elle prononce ça, la dame, là ?
Pardon, fait trop fort. God soif. Gokla. 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 Oklaf. Bah dis donc. Je sais pas comment elle le prononce, la dame. God soif. Ah, là, cette fois, ça marche. Alors, horaire. Information du tour actuel. Ok, 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 on a tout du ok. C'est pas mal, ça. Ouais, en même temps, on a bien géré le retard. C'est bien. C'est très bien. Bon, et ben du coup, on a terminé hein, pour cette ligne 58. On a fait l'aller et le retour. Ah, là, il y a une